Professeurs et agriculteurs unis pour défendre l'enseignement agricole public. Une petite trentaine de personnes étaient rassemblées, réunies devant le lycée agricole de Fondette en fin de journée pour demander plus de budget. L'occasion aussi de présenter l'appel des 150 conseillers régionaux aux parlementaires rendu public ce matin. Charles Fournier, conseiller régional en charge de l'écologie, avait fait le déplacement. Aujourd'hui, tout le monde parle de transition écologique, de transformation de l'agriculture, mais on aura une transformation de l'agriculture à la hauteur du défi climatique, du défi environnemental, du défi sanitaire, que si on a un enseignement agricole lui-même à la hauteur. Il nous faut des profs. On se retrouve à recruter davantage, 750 élèves de plus pour la rentrée, on s'en réjouit. Ça, c'est une politique du ministère qu'on soutient pleinement. Par contre, on est dans le grand écart complet, on est à front renversé, parce qu'on dégrade les conditions d'accueil, nos capacités à accueillir nos jeunes.